Revenir à la charge parce que
La compétition est terminée pour nous. Nous allons maintenant ouvrir la boîte de Pandore. Honte à la Fegafoot parce que c'est elle qui a été à l'origine de la machination ayant consisté à écarter Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina. On a senti l'absence de ces deux éléments. Ces deux éléments ont manqué cruellement à nos Panthères. S'ils étaient là, on aurait fait la différence avec déjà les atouts qu'on avait, ces joueurs expérimentés et qui étaient habitués à jouer en équipe. Donc il y a eu cette collaboration qu'on a cassée en mettant de côté ces deux joueurs. Honte à la Fegafoot. Parce que c'est une affaire de pognon. J'étais venu vous dire ici que nous allons le payer. J'ai fait une vidéo pour dire que l'absence de ces deux éléments allait se ressentir. Si Pierre-Emerick Aubameyang, de par son expérience, de par son charisme aussi sur le terrain, était là, si Lemina était là, je crois que ça allait être une valeur ajoutée pour notre équipe nationale. Mais ça, les gens n'ont pas compris parce qu'ils mettent en avant l'argent au détriment de l'équipe nationale. On a eu une bonne prestation. Mais si ces deux éléments étaient là, on aurait probablement battu le Burkina Faso. Ce n'était pas une équipe invincible. Vous avez vu qu'on a pu quand même remonter la pente, mener 1-0. Et à la 91e minute, on a quand même remonté la pente. Donc, tout ça, ça signifie qu'il y avait déjà des atouts. Et il fallait additionner ces atouts-là aux deux autres qu'on a exclus. On vous a dit que c'était une entente parce que les responsables de la Fegafoot sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ce sont des malades, des psychopathes. Alors on va ouvrir désormais la boîte de Pandore. Parce que ce qui s'est passé, on aurait réglé ça après la Coupe d'Afrique des Nations. On n'avait pas besoin d'exclure Aubameyang et Lemina à ce niveau de la compétition. On avait besoin d'eux. Même si ils ne marquaient pas, ils auraient peut-être pu construire des actions ayant permis au Gabon de prendre de l'avance. Donc, c'est une bêtise qu'on a commise. La preuve, c'est que vous avez su que Aubameyang n'était pas malade, contrairement à ce qu'on nous a dit. Il y avait d'autres raisons. Le problème du Gabonais, c'est que quand on vous dit attention à telle chose, les gens croient facilement. Donc, on avait vous dit qu'ils étaient en boîte de nuit, machin, tout ça, c'est terminé. Et voilà leur absence apaisée. Il faut reconnaître aux autres leur qualité. Aubameyang va très vite. On avait besoin d'un élément ou deux éléments qui vont très vite. Aubameyang, Lemina, on ajoutait Bouanga et on ajoutait Alevina. C'était une bonne construction qui devait être fatale au Burkina Faso. Mais malheureusement, on n'a pas compris ça. Comme les pauvres faisaient ça, oui, on a bien joué sans eux, mais on a bien joué sans eux. Mais on aurait mieux joué avec eux. C'est ça qu'on n'arrivait pas à comprendre. On a bien joué sans eux, mais on aurait mieux joué avec eux. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, on a fait une bêtise. C'est une bêtise. Et ça, c'est la Fegafoot. C'est Franck Nkrema aussi qui est derrière. Il devait être limogé. Et puis, je n'ai pas compris aussi les calculs de notre sélectionneur français là. Patrice Neveu ou Patrice Oncle, je ne sais pas. Je n'ai pas compris comment il a fait sortir Alevina. Alors que ces gars-là qui pouvaient jouer sur notre côté, sur notre aide, auraient pu rester là. Et avec Bouanga, ça allait être un appui de plus. Mais on a fait des mauvais calculs. On n'avait pas besoin de faire sortir Alevina. Il fallait ajouter seulement Bouanga. Et ça faisait un bon tandem, un bon trio. Mais malheureusement, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Maintenant que la Coupe d'Afrique est terminée pour le Gabon, alors on va redevenir ce que nous avons été, les combattants. Nous allons demander des comptes à ces gens. D'ailleurs, on va d'abord nous expliquer où est passé l'argent du contribuable.
Les primes, il faut que Franck Gabin nous explique où est passé cet argent. Parce que c'est l'argent du contribuable gabonais. Je suis désolé. Il faut qu'on nous explique après où est passé l'argent. Il faut que Franck Gabin nous explique où est passé cet argent. Ce n'est pas sérieux. Parce que les jeunes réclamaient l'argent, il fallait déjà commencer à leur coller des motifs. Oh, ils ont des lésions au niveau des poumons, ils ont ceci. Et arrivé en France, ils ont fait des examens, on n'a rien trouvé. Donc, je vous dis, on aurait pu continuer la belle aventure. On aurait pu aller plus loin, en quart de finale. Si Pierre-Emerick Aubameyang, l'éminent, plus Didier Ibrahim, s'ils étaient là, on serait allé loin. On a aujourd'hui de nouvelles figures de football gabonais qui sont là. Mais on additionne les forces, on ne fait pas la soustraction. Vaut mieux avoir assez d'atouts qui sont des valeurs ajoutées que de les soustraire. Or là, on a fait dans la soustraction. Donc ça nous a affaibli. Ça nous a affaibli, même si les gens ne veulent pas le reconnaître. Aubameyang, c'est un grand joueur, qu'on le veuille ou pas. Le seul ballon d'or gabonais. Le seul joueur gabonais qui a eu le ballon d'or africain. C'est Aubameyang. Même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court très vite. Même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court très vite. Le problème du Gabon, c'est que nous avons la mémoire courte. Nous souffrons de la constipation intellectuelle. On ne réfléchit pas assez. On prend des raccourcis intellectuels. Dès qu'on vient vous dire que c'est comme ça, et puis tout de suite vous prenez, alors vous mettez, j'ai été choqué de voir comment Aubameyang et Lemina ont été laminés sur la toile. Comment ils ont été maltraités. J'ai été choqué. Le Gabonais oublie vite quelqu'un qui fait sa fierté. Je n'arrive pas à comprendre cet esprit qui nous anime. On oublie très vite. Les gens qui ont fait la fierté du pays, il suffit. Si du 1er janvier au 30 décembre, la personne fait bien, mais si la personne commet l'erreur le 30 décembre, on oublie tout. Mais c'est de la pure méchanceté gratuite. Et nous avons payé le salaire de notre étourderie. Nous avons payé le salaire de notre méchanceté. On ne veut pas aller loin avec cet esprit de méchanceté. Parce que les gens faisaient des calculs. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps que ce n'était pas bien. Si ces deux joueurs-là, rien que la présence, quand c'est que c'est Aubameyang. Mais je vous dis, la présence, il y a déjà sur le terrain, ça peut déjà tout de suite influer sur le comportement de l'adversaire. Mais ça, on n'arrive pas à comprendre. Ils nous ont fait plaisir, oui. Mais moi, j'aurais voulu que l'aventure continue. Parce qu'ils nous ont un temps soit peu fait oublier nos tourments. Ils nous ont réunis pour un temps. Mais la belle aventure aurait pu se poursuivre si on s'était bien organisé. Si on n'avait pas été guidé par l'instinct bestial. Si on n'avait pas été guidé par des appétits pécuniaires boulimiques. Parce que c'est ça le véritable problème. Il faut que les Gabonais apprennent à respecter leur héros. Quand quelqu'un a fait bien, à un moment donné, il faut reconnaître ça. Vous n'allez pas oublier tout le bien que la personne a fait pour ne retenir que le mal. On aurait dû garder Aubameyang et Lemina jusqu'à la fin. On aurait même pu faire venir Didier Ibrahim. Parce que dans l'équipe nationale, il y a des joueurs qui s'entendent bien. Les rapports passent plus vite entre certains sur le terrain. Et quand vous enlevez deux éléments, vous cassez la dynamique aussi parfois. Donc, bravo aux Panthères du Gabon. Félicitations aux Panthères du Gabon. Honte à la FEGAFOOT. Il faut que cet entraîneur soit limogé parce qu'il était complice. Oui, Patrice Neveu est complice. Il faut qu'il soit limogé. Il a été complice dans ce qui est arrivé là. Il faut qu'il soit limogé. A-t-on besoin d'avoir même un entraîneur français alors qu'il y a des Africains qui peuvent entraîner l'équipe du Gabon? Parce que ces entraîneurs français nous coûtent énormément cher. Ils nous coûtent beaucoup d'argent pour rien. Je suis désolé.
Il a été complice dans ce qui s'est passé. Il doit aussi être limogé. Le ministre des Sports doit être limogé. Il faut qu'il nous dise où est passé l'argent. Il faut que Franck Nguema nous dise où est passé l'argent et comment des grosses sommes on les transporte comme ça. Je suis désolé. Donc, je venais vous dire, chers compatriotes, tirons les enseignements de ce qui est arrivé. Le Gabon a fait montre une très bonne prestation parce que nous étions déjà en infériorité numérique. 10 contre 11, ce n'était pas évident, mais cette infériorité numérique ne s'est pas fait ressentir sur le terrain. Encore bravo à nos Panthères parce qu'elles se sont défendues avec angle jusqu'au bout. Et il y a eu une erreur de casting. Peut-être celui qui a tiré le pénalty, qui a raté là, n'aurait pas dû être choisi, n'aurait pas dû être sélectionné. Mais bref, c'est arrivé, c'est comme ça. Même les grands joueurs manquent les pénaltys. Ça arrive, on ne peut pas jeter l'anathème sur Paloum pour avoir manqué justement ces pénaltys. Mais moi je dis, la grande responsabilité repose sur les épaules de la Fegafoot. Parce que les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. Les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. Ils ont été tous complices. Même Patrice Neveu a été complice. Il aurait pu dire que moi, mon équipe, j'ai besoin de ces éléments-là. Vous ne pouvez pas les exclure. C'est tout. Il n'avait pas besoin d'être complice. Oui, il fait de la politique au Gabon. Alors, il fait la politique avec qu'il dégage, qu'il aille faire la politique en France. C'est tout. L'équipe nationale, c'est la fierté de tout le pays. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Donc, aux Gabonais, apprenons, dans un petit pays comme le nôtre, où on n'a pas beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de joueurs expérimentés, parce que l'expérience fait la différence dans les grandes compétitions, il faut préserver ce qu'on a. Il ne faut pas aider les hommes politiques à détruire ce que nous avons. Parce que la politique du Gabon aujourd'hui consiste à détruire tous les atouts. Ça consiste à remplacer l'excellence par la médiocrité. Ce que vous voyez là. Heureusement qu'on a eu des jeunes quand même talentueux. Après le départ d'Aubameyang, on aurait pu tout de suite dégringoler. Mais heureusement, ils se sont battus avec ce moral de fer comme félin. Ils se sont battus. Mais on avait déjà cassé le moral des troupes. Non seulement on les a reçus dans un hôtel qui ne répondait pas aux normes. Je connais cet hôtel parce que moi je suis passé par Yaoundé avant d'être en Europe. Mais il y avait le problème des primes et tout. Donc tout a été fait pour emmerder l'équipe nationale. Mais manque de peau, cette équipe a quand même fait preuve d'une grande prestation. Nous avons fait sortir des gens comme le Ghana. Alors c'est pas rien. Encore félicitations. Maintenant, à nous, les Gabonais, apprenons à prendre du recul avant de juger. On a vite jugé Aubameyang, on a vite jugé les Mina. C'était une erreur. Voilà, je vous dis souvent, la plus belle fleur ne manque pas d'épines. Ils peuvent avoir leurs défauts. Ils boivent du vin ou ils aiment les femmes. Mais quand il s'agit du foot, s'ils peuvent être utiles, on les garde un temps soit peu pour remplir une mission précise. On n'avait pas besoin de faire ce qui s'est passé. Maintenant, nous aussi, on les a aidés. On a aidé la FEGA foutue à foutre du bordel en matraquant sur ces gens-là, en cognant, ne sachant pas que c'était un complot qui était derrière. C'est ça. Mais quand vous faites ça, parce que vous avez des nouveaux joueurs qui émergent, c'est bon. Mais quand vous avez de nouveaux talents qui émergent, il ne faut pas frustrer les anciens. C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Il ne faut pas tout de suite chercher à humilier ceux qui ont été là. Je suis désolé. L'équipe nationale, au départ, quand on parle d'Aubameyang, on sait que c'est le Gabon, c'est un Gabonais. Donc, il y a aussi des gens qui sont des symboles. C'est pas parce qu'il y a de nouveaux symboles qui émergent qu'on va maintenant détruire les anciens. C'est ça la bêtise du Gabonais. Le Gabonais se comporte comme ça. On l'a vu même dans les villages. Moi, j'ai fait le tour du Gabon. Regardez le comportement dans les villages. Quand arrivent les grandes vacances, il y a parfois des couples qui sont bien là. Dès qu'il y a un vacancier qui arrive, sortir la femme gabonaise, elle abandonne son mari.
qui vit avec lui au quotidien. Elle va chez le nouveau. Et vice-versa aussi. Quand arrivent les nouvelles vacancières, bien habillées, avec des jeans, et puis des bodges, des danseuses d'ombolo, et puis le Gabonais, qui est là, il abandonne sa femme, qui passe moins difficile avec lui, pour suivre la nouvelle. N'oublions pas que parfois, ce sont des choses éphémères. Mais quand on fait ça, on n'avance pas. Il faut donc reconnaître les atouts, il faut reconnaître les forces des autres, il faut reconnaître pratiquement les potentialités des autres. Il ne faut pas frustrer les anciens. Parce qu'après, bon, ils vont dire, bon, d'accord, débrouillez-vous, vous avez fait que nous, on soit humiliés, vous nous avez humiliés, bon, réglez vos affaires sans nous. C'est comme ça, la frustration. Tout le monde aurait agi comme ça, avec frustration. Bon, d'accord, malgré tout ce que j'ai donné, voilà ce que vous me faites. Alors, on est frustré. Chantait très bien. Et comme il savait que le roi de Zambie, le chef, aimait les mélodies, aimait organiser des cérémonies, Mumbina a dit, ah, je vais amener ce perroquet au roi de Zambie parce qu'il chante très bien. Et c'est comme ça que Mumbina a capturé donc ce perroquet et il a amené ça chez le roi de Zambie. Et maintenant, chaque fois qu'il y avait des cérémonies, c'est le perroquet là qui animait les cérémonies. Les batteurs de tam-tam ne restaient même plus besoin de travailler. Mais voilà qu'un jour, des étrangers arrivent assister à la cérémonie. Ils écoutent le perroquet chanter. Et ils ont dit au roi de Zambie, dit le perroquet là chante bien. Mais nous, au lieu de garder ce perroquet qui chante bien là, puisqu'il vous coûte beaucoup, il faut le nourrir. Nous, on va vous amener un perroquet qui chante comme lui, mieux. Qui a tout le répertoire, mais qui ne demande même pas de la nourriture. Donc vous allez faire beaucoup d'économies. Et c'est comme ça que le roi de Zambie était séduit. Tout le monde veut faire des économies. Donc ils ont fait l'image du vrai perroquet et ils ont amené, ils sont allés fabriquer en Chine un perroquet qui avait donc le répertoire presque du perroquet original. Et c'est comme ça que ils ont amené ça au roi de Zambie. Il chantait vraiment comme le perroquet. Et le roi de Zambie a dit, mais oui, pourquoi encore garder ce perroquet-là qui me coûte cher? Je veux préférer celui-là qui a déjà le répertoire de tout ce qu'on aime écouter comme musique. Donc à chaque fois qu'il y avait la cérémonie, c'est maintenant le perroquet artificiel que le roi de Zambie mettait sur le piédestal. Chaque fois c'était ça. Et le perroquet naturel qui était là s'est senti inutile, il s'est senti vexé, à la limite humilié. C'est comme ça que le perroquet naturel a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait encore ici, dans la concession de ces gens-là? Puisque on m'avait amené pour animer les soirées, je n'anime plus les soirées. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Autant que je retourne en brousse. On m'a pris. Et c'est comme ça que matin, le perroquet là a fait demi-tour et est reparti en brousse. Là, Mumbina l'avait pris. Mais vous-même, vous savez que les choses des Chinois ne durent pas. Les choses des Chinois ne durent pas. Que voilà un jour, au cours d'une cérémonie, les danseurs ont bousculé le perroquet artificiel. Il est tombé et c'est fini, il ne chantait plus. La soirée s'est arrêtée.
La soirée s'est arrêtée. On a essayé de remettre les piles, on a essayé de rabibocher, tout ça. Rien, ça ne marchait pas. Et maintenant, quand le roi de Zambie dit, amenez donc le perroquet original pour qu'il vienne continuer la soirée. On a regardé, oh, il n'est plus là, oh, il est parti. Puisque personne n'a plus d'attention, même quand il est parti, on ne s'en est même pas rendu compte. Et on n'a plus de soirée. Et c'est comme ça que mon binet est venu voir le roi de Zambie, quand on l'appelait. Il a dit, roi de Zambie, moi j'avais amené le perroquet là ici, parce que c'est un perroquet d'origine. Vous l'avez écarté, vous l'avez humilié, mais il a fini par partir. Moi je vais encore le retrouver où? Je vais essayer. Mon binet est reparti dans la forêt, il n'a plus vu le perroquet là. Il a vu le perroquet. Et du coup, c'était compliqué, il n'y avait plus de fête chez le roi de Zambie. Même les week-ends, les gens dormaient maintenant à 17h, 18h, parce qu'il n'y avait plus quelqu'un pour animer les soirées. Parce qu'on avait frustré le perroquet qui était là. Or, on aurait pu garder les deux. À la limite, faire chanter l'un après l'autre. On aurait pu faire ça. Avait-il besoin d'humilier l'autre perroquet en disant « Mettez-le là-bas, mettez-le en cage. » Mais il s'est senti vexé, même si j'étais lui. J'aurais fait comme lui. C'est comme Aubameyang. Alors il a dit, moi je préfère aller faire valoir mon talent ailleurs, puisque au Gabon, nul n'est prophète ce soir. On me dit, ils ont dit, on préfère aller jouer ailleurs. Et ça, ça nous est souvent préjudiciable. Quand on manque de sagesse, on a manqué de sagesse. Et le manque de sagesse, le manque de recul, nous a amené à ça, à estomper, à brouiller les pistes du Gabon vers les quarts de finale. On aurait pu aller plus loin si on avait ce joueur-là. Mais malheureusement, il n'était pas là. On les a humiliés, ils sont partis. Comme le perroquet que Mumbina avait amené, il est reparti et il n'est plus jamais revenu. Il n'y a plus eu de soirée chez le roi de Zambie. Avons-nous vraiment besoin, chaque fois, de subir ça, sans pourtant que les Gabonais ne comprennent que c'est l'addition des forces qui nous rend encore plus forts et non la soustraction? Comme c'est dommage. Félicitations aux Panthères, honte à la FECAFOOT. Et la FECAFOOT et le ministre de la Jeunesse et des Sports, il doit démissionner. Il doit d'abord nous rendre compte de la gestion de l'argent qui a été débloqué parce que c'est l'argent du contribuable. Merci de m'avoir reçu chez vous. On reprend les hostilités. À partir d'aujourd'hui, là, on reprend les hostilités. Kali Bongo sache qu'on était juste en repos parce qu'il fallait soutenir notre équipe. Maintenant que nous sommes sortis de la compétition, on reprend les hostilités. Et ça va barder. Thank you.
Thank you.